en fait est en train de numériser, enfin de prendre en photo en fait le Don Fontenot. Donc le Don Fontenot, c'est un des 84 manuscrits qui sont conservés ici à la médiathèque. Ce sont en fait des ouvrages qui ont été recopiés à la main par Don Fontenot. Don Fontenot qui était en fait un ancien religieux de la congrégation Sainte-Maure et qui a été missionné par sa congrégation pour essayer de récupérer toutes les informations possibles sur le Poitou, donc dans les abbayes, au sein des archives privées, pour essayer de rédiger une grande histoire du Poitou. À l'intérieur, c'est quelque chose qui est remarquable parce qu'en fait, il est très utilisé par les historiens locaux et par les historiens même plus largement parce qu'il a recopié vraiment des diplômes, des actes, des choses très variées. Du fait que ça soit beaucoup demandé, en fait, l'intérêt ici, ça va être de le numériser afin qu'on puisse le sortir le moins possible et qu'il puisse ne pas s'abîmer. Là, on est dans un atelier aussi de conservation préventive où on va faire en sorte de protéger les documents originaux pour qu'ils s'abîment le moins possible. Donc, Pierre leur confectionne des boîtes à leur mesure. Par exemple, là, il est en train de faire des protections pour un manuscrit. C'est un manuscrit autographe de Jean Boucher. Jean Boucher, c'est un historien, poète de Poitiers. Donc il a vécu dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Il s'est installé à Poitiers dès le début de 1507. Il avait proposé ses vers à Charles VIII. Et puis, de fil en aiguille, donc, il a publié des poèmes. On a la chance d'avoir ce manuscrit qui nous est parvenu de manière un peu particulière, où là, on a affaire à une œuvre de fiction, donc dans l'écriture du XVIe, où l'auteur, donc Jean Boucher, a prévu aussi quelques illustrations. Donc là, on voit qu'il s'est représenté. Et puis, il a prévu aussi dans d'autres parties des dessins rehaussés à la couleur. Le titre, c'est « Les renards traversant les périlleuses voies des folles fiances de France ». Et on a la chance d'avoir l'édition imprimée, quelques années après, de ce même texte. On va retrouver effectivement le dessin qu'il avait prévu de cette manière-là, gravé sur bois, où on a le texte qui est remis en impression, en beau caractère gothique. Du coup, on connaît l'origine de ces bouquins, les anciens propriétaires, etc. À la fin du 19e, au début du 20e, on a eu la chance d'avoir de généreux donateurs qui nous ont carrément, qui ont donné leur bibliothèque dans leur intégralité à la médiathèque ou de leurs vivants ou leurs descendants. On va continuer la visite avec les magasins, donc par là. Dans ces magasins, donc il y a pas mal de documents en lien direct avec Poitiers. Donc on sait qu'aujourd'hui Poitiers c'est quand même une ville qui est universitaire avec pas mal d'étudiants. Et cette particularité en fait elle n'est pas nouvelle parce qu'en fait il y a une université à Poitiers dès le 15e siècle. Ici dans ce magasin en fait on conserve la bulle de fondation de l'université. C'est un acte officiel de la papauté, d'accord, qui permet donc à Poitiers de fonder une université. Donc vous avez le nom du pape ici, Eugénius, d'accord, on l'a aussi sur le cachet juste en bas, juste là, Eugénius IV, pape. Donc on a la date, le 29 mai 1431, juste en bas. Donc un document qui est vraiment authentique, hein, d'accord, on voit bien qu'il est, il est scellé avec ce sceau. Et juste de l'autre côté de la médaille, vous avez donc la tête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Dans les fonds des archives municipales, il y a pas mal de documents en lien justement avec cette université de Poitiers. Donc vous en avez un autre juste ici. C'est ce qu'on appelle un
registre de collation de grades qui montre qu'il y avait pas mal d'étudiants ici à Poitiers, donc déjà au 15e, au 16e, puis au 17e. Et en fait, il y a un document qui montre particulièrement en fait, que ces étudiants, en plus de ça, étaient très mobiles. C'est-à-dire qu'en fait, dès le Moyen-Âge, on appelle ça la peregrinatio academica, c'est-à-dire qu'en fait, les étudiants vont de ville en ville pour étudier, pour avoir leur diplôme. Et la plupart du temps, ils ont avec eux ce qu'on appelle un album amicorum, c'est-à-dire un album d'amis. Et à chaque fois qu'ils arrivent dans une nouvelle ville, ils font signer leur album. Et de temps en temps, vous avez des dessins. Donc ici, à Poitiers, on a un album amicorum. Alors, il n'est pas en lien forcément avec Poitiers. Il provient du don d'Alfred Richard, on en a parlé tout à l'heure, d'accord, Alfred Richard qui était archiviste départemental et qui a fondé les archives du Poitou. Et donc il a légué cet album Amicorum en 1915, donc à l'intérieur, c'est pareil, c'est l'album Amicorum de Jacques Grubel. Et donc vous allez avoir des signatures de ses amis qu'il va rencontrer. Donc ici c'est un monsieur qui vivait plutôt en Suisse, qui a fait des études de théologie à Bâle et à Strasbourg, donc pas forcément en lien avec Poitiers, mais ça vous montre en fait que ces étudiants, ils étaient très mobiles. On va passer à un fonds particulier, le plus récent en fait, qui est venu enrichir nos collections. C'est le fonds Jean-Richard Bloch. Il a été donné par la famille Bloch. Le premier don legs se situe en 1980. Il a été complété par un second dans les années 2000. C'était un journaliste qui est né en 1884 et mort en 1947. Il est arrivé à Poitiers en tant que professeur et a continué d'exercer sa fonction de journaliste et a participé d'une manière active à certaines créations de revues telles que Europe avec son ami Romain Roland. À Poitiers, il a créé aussi un journal qui s'appelle L'Effort, puis L'Effort Libre. Et il a acheté une maison à Poitiers, donc il est fortement impliqué dans la vie locale entre les deux guerres. Et chacun de ses ouvrages vont... la plupart vont avoir une dédicace. Donc si on prend celui de Maurice Fombeur à Jean-Richard Bloch, en hommage sympathique et reconnaissant, ses poèmes, où passe un peu le vent de chez nous, Maurice Fombeur. Bonjour ou bonsoir. Alors nous finissons effectivement cette visite par trois documents, on pourrait dire emblématique pour la bibliothèque. Le plus ancien, c'est la vie de Saint Radegonde, alors qui est un manuscrit de la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, et qui relate la vie de Sainte Radegonde, bien connue en Poitou. Donc c'est une sainte mérovingienne qui a eu une vie exemplaire, qui a accompli de nombreux miracles, et qui est remarquable donc par son ancienneté, remarquable aussi par le fait qu'il nous relate la vie d'une femme, ce qui était finalement assez peu courant au Moyen-Âge. Elle a été écrite par deux auteurs, en fait on connaît deux vies de Sainte Radegonde, l'une par l'évêque de Poitiers, Venance Fortuna, et l'autre par une femme, Baudonnevie, c'était une moniale qui avait connu elle aussi Sainte Radegonde. C'est un très beau portrait d'art roman d'une femme en train d'écrire. Voilà pour ce manuscrit. Un deuxième manuscrit un peu plus récent de la fin du Moyen-Âge, du XVe siècle, c'est le psautier de la reine Jeanne de Laval. Et c'est un livre de prière qui représente les grandes étapes de la vie de la Vierge et du Christ, et qui sont d'une admirable facture, car ils sont un peintre qui est de l'école de Jean Fouquet, qui était un des très grands artistes français de la deuxième moitié du XVe siècle. Je suis impressionnée par l'état de conservation des livres, c'est magnifique. Il y a deux raisons.
D'une part, ou peut-être trois, le hasard en premier, qui a bien fait les choses. D'autre part, sans doute, les soins dont les différents possesseurs des livres ont entouré ces documents et ont veillé à ce qu'ils soient conservés. Et enfin, la qualité même des pigments, notamment pour les livres médiévaux, a permis cette conservation. Le dernier est beaucoup plus récent. C'est un livre qui a eu un succès, La cosmographie de Pierre Appian. En fait, Appian était un cosmographe et géographe allemand du XVIe siècle. Et il est intéressant, cet ouvrage, pour nous, bon, d'abord parce qu'il a eu un grand succès dans le monde scientifique, et que c'est un très bon exemple de la présence nombreuse de livres scientifiques dans les bibliothèques. On croit toujours que les fonds sont littéraires avant tout, et en réalité, la présence de livres scientifiques est très importante dans les bibliothèques. Et effectivement, l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi ces trois livres en conclusion de la visite, c'est qu'effectivement, ils nous renvoient les uns par leur couleur à des choix de décoration de la médiathèque. Les couleurs que vous retrouvez sur les fresques, sur les murs de la médiathèque, sont inspirées de ces ouvrages médiévaux. Et puis, les figures géométriques de la cosmographie ont bien souvent inspiré également les décorateurs, voilà, par leur valeur peut-être symbolique, encore une fois, de viser, de faire le point, d'éclairer.